Salut à tous, c'est Quentin. Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above, cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team, even if that ain't what it seems. Pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer deux de mes vestes préférées. Donc c'est deux bombers, donc vous connaissez, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ce bomber. C'est vraiment des vestes très épaisses, enfin en l'occurrence celles que j'ai prises, elles sont épaisses. Parce que j'en ai deux autres qui sont un peu moins épaisses, mais bon. Je préfère notamment pour la couleur, celle-ci. Je vais commencer un par un, sinon on va le sortir. Je sais pas si j'en ai plein, j'en ai deux, je ne pas. C'était pour sortir une phrase comme ça. Donc, celle-ci c'est ma préférée, c'est ma veste préférée je pense. Elle est rouge, j'adore le rouge. Parce que c'est une ancienne pote qui m'a donné la passion du rouge. Je dis bien une. En fait, cette fille, elle aimait vraiment le bordeaux. Elle avait des chaussures bordeaux, je me rappelle. Elle allait à Bordeaux même pour ses vacances. Elle adorait le bordeaux. Elle m'a transmis la passion du rouge. Donc du coup, je dis pas que je suis influençable ou quoi. On va pas vendre quelqu'un de faible. Mais enfin, ça m'a donné vraiment l'envie du rouge, d'acheter quelque chose de rouge. Donc d'ailleurs, j'ai pas que ça de rouge. Hein. J'ai des gilets, j'ai des suites. J'ai des pantalons, j'ai des chaussures aussi, des chaussures rouges. Ce que j'aime vraiment dans ce bomber, c'est la couleur. Le fait que ce soit pas orange à l'intérieur. Parce que dans pas mal de bombers, l'intérieur il est orange. Et moi j'aime pas trop. Je préfère quand il est simple. Donc je compte l'avoir eu comme ça. Donc il est quand même lourd, hein. Il est épais. Donc on peut le porter n'importe quelle saison, sauf en été évidemment si tu veux pas avoir trop chaud, enfin, tu veux pas porter ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment je l'avais porté avec un sweat qui était plutôt léger, je pense que c'était en hiver, automne, enfin une saison froide, une saison qu'on n'aime pas là. Je l'avais porté au-dessus d'un sweat plutôt, plutôt léger et j'avais pas du tout eu froid, donc je suis vraiment content. J'apprécie vraiment ce bomber et en plus il va avec plein de trucs. Et ce qui est bien avec lui, c'est que genre quand tu portes ça avec des couleurs assez... je dirais pas fun, mais des couleurs classiques, genre du noir, du gris, du blanc, enfin je vais vous montrer dans une autre tenue. Ça passe vraiment trop bien, c'est la couleur qui pète. Moi j'adore qu'il y ait un truc qui pète, je l'ai dit dans la dernière vidéo, ma vidéo d'introduction. J'adore qu'il y ait un truc qui pète avec des couleurs assez simples. Et ça c'est vraiment le truc qui pète. Je sais pas si vous voyez ma tronche, je crois que ça va pas bien, ça devrait beaucoup à ma tronche, parce que c'est peut-être pas une si mauvaise chose. On se comprend, et je vous montre le suivant. Donc c'est un bomber, c'est le même type de bomber, c'est aussi juste que la couleur qui a changé. Cette couleur, j'avoue, elle est un peu plus difficile à associer, mais j'adore, enfin, je trouve ça en archi bien. Le beige j'aime beaucoup. Et j'ai remarqué que c'est pas une couleur que beaucoup de gens portent, malheureusement, je sais pas pourquoi. Moi j'aime beaucoup, donc je l'ai acheté. C'est pas logique, hein, après on se comprend. Ça me plaît beaucoup, donc je l'ai acheté Big Flash. Bon. Alors ces bombers, je les ai achetés, ils viennent de Macamode. Je les ai eus pour 34,90€. Ouais, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je les ai achetés. À l'époque, ils étaient à 34,90€. Je vous dis à l'époque parce que maintenant, j'ai un peu le seum, mais bon, ils sont passés à 27,90€. J'ai acheté les deux à environ 3 mois d'intervalle. Donc l'un, il était à cette année, il était à 34,90€. Le deuxième, il était à 34,90€, mais 3 mois après. Et deux jours après que j'ai acheté le deuxième, deux jours, j'ai regardé parce que je retourne sur le site, j'ai regardé parce que j'en voulais un autre kaki, mais bon, enfin, finalement j'ai pas pu l'avoir parce que la taille elle n'existait plus. Deux jours après, ils sont passés à 27,90€, j'avais trop le seum, mais bon, ouais, je pouvais rien y faire. En plus, je pouvais même pas acheter pour me consoler parce que j'avais besoin d'être consolé, je pouvais même pas acheter le kaki parce que la taille L, elle était partie. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, les deux sont en taille L. À la base, je voulais prendre en M, mais je me disais que ce serait peut-être un peu trop petit. Comme j'avais envie d'avoir chaud avec ça, je voulais pas attraper froid avec. Donc je me suis dit, mieux. Non, ça n'a rien à voir. Rembobinage. Je me suis dit qu'il fallait mieux avoir des vêtements. Je voulais vraiment avoir des trucs larges en dessous. J'avais déjà quelques idées de tenue, parce que moi, quand j'achète des vêtements, je me dis toujours avec quoi je mets. Comme ça évite d'être déçu quand tu le reçois. Donc j'avais quelques idées de tenue, et j'avais particulièrement un sweat gris que je vais vous montrer d'ailleurs dans la plupart de mes tenues. Que j'avais envie de mettre avec, et il est plutôt lourd, donc je me disais que s'il était trop petit, ça allait pas rendre bien. Donc je me suis dit qu'il valait mieux prendre en L. Concernant le prix, par contre, j'ai dit 34,90€, malheureusement, c'est sans les frais de livraison. Mais bon, depuis, ils sont partis à 27,90€, hein, donc bon, ça fait quand même environ 32€.
ouais, 33 euros, puisque la livraison c'est environ 5 euros, donc c'est quand même abordable pour la qualité du bail. Franchement, on peut être content. Moi, je suis content de l'avoir acheté, je regarde pas du tout. Petite précision par contre, je ne fais pas de partenariat, je ne fais pas de pub, je le redis, hein, je l'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos. Si un jour je suis amené à faire du partenariat, si un jour je suis amené à promouvoir des produits, je vous le dirai au début de la vidéo. Non, parce que je vois très bien les gens là qui vont dire oh il fait de la pub et tout ça, il le fait en Skype, il le fait dans le dos et tout ça. Pas du tout, genre. Pas du tout. Si j'avais un truc à vous montrer, ben, je vous le dirai direct. Bon, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer des idées d'associations. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, il n'y a pas de souci. Je lirai. Voilà pour les tenues, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préférée. N'hésitez pas à me dire aussi en bas avec quoi vous auriez pu l'associer. Ça m'intéresse de savoir, j'aime bien connaître les goûts des gens, tu vois. Et ça peut me donner des idées aussi, j'avoue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.